Les 10 erreurs que j'ai faites en écrivant ce livre. Et oui, j'en suis extrêmement fier, c'est mon premier livre. On commence par l'erreur numéro 1, parce qu'il y a beaucoup. Là, vous allez voir, j'ai les 5 éditions de mon livre. Les 5 premières éditions que j'ai faites, puisque j'ai fait plusieurs erreurs au fur et à mesure. Pour que tu évites de les faire, on va te les dire. Puis on verra d'autres choses, hein, du type, pourquoi est-ce qu'il y a cette couverture? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que j'ai embauché une boîte ukrainienne pour le faire? D'où vient ce livre à la base? Ah, et note, si tu me suis depuis longtemps, que tu fais partie du Club 50, que tu regardes mes vidéos jusqu'au bout, il y a un truc spécial pour toi par rapport au livre à la toute fin. Un cadeau, mais pendant une semaine après la publication, c'est à la toute fin de la vidéo. Pour toi, j'ai un truc spécial. Allez, on continue la vidéo. Erreur numéro 1, donc, je te mettrai à l'écran la première version. Et quand tu la regardes, je te la montre vite fait ici, mais tu la verras de plus près, il y a une grosse erreur que tu devrais pouvoir voir rapidement. Enfin, je dis que tu devrais pouvoir voir rapidement. En vrai, je ne l'ai pas vu non plus parce que justement, j'étais sur ordinateur et la première erreur, c'est qu'il n'y avait pas de numéro de page. La leçon pour toi, c'est qu'il recommande de n'imprimer qu'un livre la première fois que tu en reçois un, que tu en publies un par toi-même. Fais-le parce que j'en ai commandé 3 ou 4 et que les 3 autres sont inutilisables. Donc, commandons un seul pour pouvoir écrire dessus et tout corriger. Avant d'aller à la deuxième erreur, une petite chose sur d'où est-ce que ça vient. Pourquoi est-ce que j'écris ce livre? En plus, pourquoi est-ce qu'il est en anglais? How to get a job in Australia. Eh bien, c'est que je suis arrivé en Australie il y a 8 ans, à peu près 8-9 ans bientôt, et j'ai galéré comme pas possible pour trouver un travail. Et donc, bah, j'ai commencé à aider d'autres gens à en trouver, et après avoir réussi à avoir un sponsor, à pouvoir rester sur place, j'ai écrit cette lettre. Et j'ai repris ces lettres-là. Chaque lettre, c'est une histoire en fait. Alors, on ne va pas forcément bien voir, mais là, tu vois, il y a écrit histoire numéro 5. Chaque lettre, il y en avait 7, je les ai reprises et j'en ai fait ce livre, sachant que les 7 lettres, elles ont été lues par à peu près 500 personnes qui cherchaient un travail en Australie sur les 5 dernières années. Et je me suis dit, bah, autant en faire quelque chose de beau, quoi. Deuxième erreur du livre, je vais te montrer la page de couverture. On arrive, on ouvre le livre, voilà, et c'est ce qu'il fait. Et là, tout de suite, tu vois, il y a l'histoire qui commence, il y a le mot pour le lecteur, et puis on continue. Et ensuite, il y a une petite signature par ici, et on continue les premiers chapitres. Bon, t'as vu l'erreur ou pas? Je te remontre, la première page, c'est ça. Est-ce que tu vois pas l'erreur? Et bien, l'erreur, pareil, je ne l'ai pas vu, donc si tu ne l'as pas, t'inquiète, c'est que la première page, tu veux avoir de la place pour pouvoir écrire un mot pour tes potes. Parce que si j'écris ici, ça va se retrouver sur la couverture, ça va être très moche. Donc, la deuxième version qui est ici, tu regardes la première page qu'il y a, et tu la mets à l'écran aussi, il y a un message de remerciement pour ma famille, et en même temps, ça me laisse beaucoup d'espace pour pouvoir écrire une note dédiée à la personne qui le prend, que ce soit un ami ou autre. Et ensuite, on commence sur la première page. Et d'ailleurs, petite note, hein, mais si un jour on se rencontre et que tu as le livre, t'hésite pas à me demander de faire une dédicace et d'écrire un mot pour toi, je le ferai justement sur cet espace-là. Deuxième petite histoire avant d'arriver à l'erreur numéro 3, c'est que oui, j'ai écrit ces lettres il y a à peu près 5 ans, elles ont été lues depuis. Pourquoi est-ce que je les ai refaites? Eh bien parce que ChatGPT est arrivé. ChatGPT est arrivé, en même temps, je me suis dit que je voulais faire des choses qui me plaisaient vraiment, parce que YouTube, c'est pas un business, c'est un hobby, donc faisons des choses qui me font kiffer, et je voulais écrire un livre, depuis longtemps, depuis que je suis petit. Je vais en écrire plusieurs, mais bon, ça, ça sera pour d'autres vidéos pour les suivants. Non, plus simplement, grâce à ChatGPT, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu lui donner certaines phrases dont j'étais pas forcément satisfait en anglais, parce que mon anglais n'était pas le meilleur, et je montrerai à l'écran un exemple d'avant, après. J'utilisais ChatGPT en reformulation de mes phrases. Par exemple, s'il y en avait une dont j'étais pas très fier, j'allais lui donner, et ensuite, il allait m'en proposer 3 versions, et je prenais les mots que je ne connaissais pas, qui ne faisaient pas forcément partie de mon vocabulaire actif, et je le reformulais. Enfin, ça, c'était pour celles donc, que j'aimais pas. Cela étant dit, la partie numéro 5, quand je raconte mon plus gros échec ici, que j'étais au plus bas de tout ce que j'ai pu faire en Australie, cette partie-là, je ne l'ai pas touchée parce que je l'avais vraiment écrit exactement comme je le pensais à l'époque, et donc il n'y avait rien à reprendre. Troisième erreur que j'ai faite, il s'agit de l'édition par soi-même et d'utiliser Word. Donc, j'ai tout publié tout seul. Comment est-ce que tu fais? Tu prends un document Word, tu écris, et ensuite, tu convertis ça en PDF et tu vas sur des sites spécialisés. Le mien, il s'appelle Blurb. Un nom que je trouve horrible, mais le site est bien. Et tu l'uploades avec une couverture et ils vont t'imprimer le document. On reviendra sur la couverture juste après, il y a une histoire super sympa avec. Mais surtout, par rapport au texte, en fait, quand tu écris un texte en général, tu utilises un format A4. Et là, tu vois que le livre est plus petit. C'est un format, normal, c'est un format pas de poche, mais c'est un format de livre. Et donc, lorsque tu le mets sur le site et que tu n'utilises pas d'outils spécialisés, il faut changer toutes les dimensions. Et quand tu changes de dimension, la taille de tes colonnes change, se réduit, et ton texte part dans tous les sens. Il faut tout reprendre en termes de la mise en forme, notamment parce qu'à la fin, il y a aussi des exemples de CV. Il y a des templates de CV à la toute fin, il y a des templates de lettres de motivation, d'emails de contact à des personnes. Et tout ça, typiquement, eh ben, c'est parti en live parce qu'il y avait trop ou pas assez de texte et c'était très moche. Donc,
Si jamais tu veux éditer ton propre livre, je te conseille de commencer à écrire, bien sûr. Mais si assez rapidement tu peux trouver les dimensions dans lesquelles tu veux le faire et le mettre au bon format, ça t'évitera d'avoir à tout refaire derrière. Erreur numéro 4, ça, elle concerne la première page. La première page de la version 1.1, je te la montre à l'écran, mais je la déteste. Et il y a plein de notes que tu peux voir partout ici à l'écran que je te mets. Et j'ai tout réécrit. L'erreur numéro 4, c'est de penser que ta première page, qui est la plus importante, parce que quand tu donnes le livre à des amis, je l'ai vu en événement, ils le prennent, et ils commencent à lire la première page, et c'est tout ce qu'ils lisent, et t'es là, non mais elle est pas si bien que ça, et tout. Et je l'ai réécrit 3 fois en entier, après avoir fait la version définitive. Donc ça c'est la version numéro 1. Ça c'est la version numéro 2, donc on a le remerciement comme on a dit, et ensuite t'as la page de départ, et pareil, j'ai tout réécrit. Tu veux vraiment réussir à ce que cette première page et le dos de couverture soient très bien, car 99% des gens ne vont lire que ça. Et d'ailleurs, il manque quelque chose à cette première page, je vais te montrer version 1, version 2, il manque une chose aux deux que j'ai totalement oublié, ce sera l'erreur numéro 5, mais avant, on part de ce qui marque aussi toutes les personnes qui vont voir la couverture de ton livre. Personnellement, j'ai passé un temps monstrueux à préparer le document pour designer la couverture. J'ai essayé de le faire tout seul, j'ai pas réussi. Et donc, je me suis dit, et je vais aller contacter des designers. J'ai contacté 4-5 designers, j'ai mis un message sur Instagram, sur mon réseau. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre sur Instagram, c'est thomas.lingénieur, @thomas.lingénieur, et je t'y retrouve, je mets des stories cool. Et donc, je mets une story sur Instagram et j'ai 4-5 personnes qui me contactent. Et j'ai le premier devis d'une designeuse à Sydney, 1000 balles. 1000 balles la couverture. Perso, je fais ça pour le kiff, tu vois, je vais en imprimer quelques-uns. Même, enfin, vendre des livres, c'est de façon notoire pas du tout rentable. Je vais pas faire d'argent avec. Mais mettre 1000 balles dans une couverture, je suis en mode, sachant que je sais même pas ce que je vais avoir. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais avant d'avoir beaucoup de chance, j'ai fait un document hyper béton. Le premier que j'ai fait, je le mettrai aussi à l'écran pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble vraiment tout le travail qu'il y a derrière un livre. C'était 7 pages sur ce que je voulais. Puis j'ai une copine qui est dans le marketing qui m'a dit que c'était nul. Alors, j'ai tout refait à partir de ces commentaires et en utilisant ChatGPT. Pour lui demander de me donner un plan et de me dire ce qui n'allait pas dans ce que j'avais fait, puis de me donner des exemples de ce qui était mieux, et ensuite en l'adaptant à ma sauce. Et à la fin, ça ressemble à ça, avec des exemples de ce que je voulais, les thématiques, les sentiments que je voulais qu'on ait envoyé à la couverture, et notamment que je voulais que cette couverture, tu puisses toi la voir, la mettre sur un bureau, et que t'en sois fier, que tu puisses la voir quelque part, et que ça soit vraiment un petit livre, un petit booklet, dont ça se fasse un super souvenir si tu me suis depuis un bail, ou même si tu me suis pas, que tu veux juste des conseils pour venir ici, que tu puisses l'avoir et que ça soit cool quoi. Bref, revenons à l'erreur numéro 5, celle sur ce qui manque dans la première page de ce livre. Alors, je te le remets. Et ce qui manque dans cette première page, que tout le monde va lire, c'est les chapitres. J'ai oublié de mettre les chapitres, hein, il n'y en a pas à la fin parce qu'à la fin c'est des annexes. Et on arrive donc à la version numéro 3, celle que j'imprime en troisième, avec cette fois-ci, enfin, on commence à voir quelque chose avec des chapitres. Quand même beaucoup plus lisible, et les personnes qui vont lire ça, qui vont lire ton livre, elles vont commencer à lire cette première page et lire les chapitres, et donc avoir une idée plus globale de ce qui se passe dans ton livre. D'ailleurs, j'ai fait une autre erreur sur les chapitres, et ça, je m'en suis rendu compte que quand j'ai commencé à faire cette liste de chapitres, et ça, c'est pour l'erreur numéro 6. Avant ça, petite histoire, on revient donc sur cette couverture. J'ai un devis à 1000 balles, et je ne veux surtout pas dépenser autant, parce que bon, c'est énorme quoi, 1000 balles. Et donc, je commence à googler comment on fait une belle couverture de livre, qu'est-ce qui existe comme service. Et je tombe sur un site qui s'appelle GetCover, qui est une boîte ukrainienne, et qui propose des couvertures avec la première version, juste la version digitale, pour 10$, 10$ américains. Et je dis, bon, est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Allez, je leur envoie mon brief que j'ai fait pour les autres designers, et j'attends ce qu'ils me disent avant de dire oui à potentiellement des devis à, j'espère, 400, 500 euros, et moins que les 1000$ qu'on m'a demandé au départ. Mais voilà, et je fais un test, j'envoie 10$, je commande même une carte spéciale parce que c'était un site, j'étais pas sûr du site, donc je voulais pas me faire prendre mon argent, j'ai pas mis ma carte principale. Et au final, ce site a été exceptionnel, c'est quasiment tel quel la version qu'ils m'ont envoyé du premier coup, et j'aurais demandé de faire le derrière de couverture aussi, hein, avec le petit résumé et la petite biographie. Ce qui est marrant, c'est que pour les petites roches qui sont là, ça, cette photo est totalement fausse, hein. Ils reprennent le rocher qui est là et ils le copient-collent, enfin c'est marrant, enfin ils font un Photoshop quoi. Et bref, j'ai eu cette couverture pour au total, tout compris avec les fichiers sources, pour 60 euros, j'ai réussi à avoir ce fichier que je trouve magnifique, qui répond exactement à mes critères. Et je te mettrai aussi ce que j'avais fait comme brief au début, tu pourras le juger par toi-même en description. Sixième erreur, celle-là, elle concerne le titre des chapitres. En fait, au moment où tu commences à écrire tes chapitres ici, tu te rends compte que les titres que tu avais choisis étaient mauvais. Ils n'étaient pas assez sexy, ils ne donnaient pas envie assez de lire. Si je te prends les premiers chapitres que j'avais ici, le premier s'appelle « Comment tout a commencé ?» chapitre 1. Chapitre 2,
L'aventure d'une vie. C'est très cool, hein, c'est vrai que ça décrit la chose. Le titre 4 était suffisamment bien, mais titre 4, essai et erreur. Très bien. Mais quand tu regardes la dernière version du livre que j'ai actuellement, celle où j'ai vraiment retravaillé tous les titres pour qu'ils donnent envie, un peu comme des vidéos YouTube, c'est premier chapitre, où commencer? Deuxième chapitre, le rêve australien. Troisième chapitre, comment survivre sans argent? Quatrième chapitre, les erreurs que j'ai faites. Tu vois, on a beaucoup plus envie de lire ce genre de chapitre, ce genre de contenu, que juste avoir quelque chose comme oui, alors, une aventure, un road trip. Ouais, c'est pas assez vendeur. Et le fait d'écrire tes chapitres sur la première page te fait vraiment te rendre compte. En parlant de ça, j'aimerais te montrer l'erreur numéro 7, une erreur de découpe qu'il y a eu. Et pour te le montrer, c'est très simple. J'ai 5 exemplaires ici, la version 1 à la version 5. Et regarde ce qui se passe quand je les mets comme ça. Normalement, tu devrais voir quelque chose qui se passe. Ils sont tous à peu près en bas au même endroit. Et en haut, tu en as un là. Il y en a un qui est plus petit que les autres. L'éditeur, donc, que j'utilise, a fait une erreur de découpe et a coupé le livre 1 cm trop bas. 1 cm trop bas, ce qui fait que lorsque tu regardes, le numéro des pages est totalement... Je vais m'enlever de la caméra. Le numéro des pages en bas est juste au niveau de la coupure. Ce qui est horrible à regarder. Hein. Normalement, un numéro de page, ça ressemble à ça pour que tu aies à peu près un truc de comparaison. Voilà, tu as le numéro de page et tu as de l'espace en bas. Et voilà, c'était juste la couverture aussi est moins grande. Je te les montre côte à côte. Hop, hop, voilà. Et ça, tu vois, cette erreur-là, en fait, je peux rien y faire. C'est eux qui ont fait une erreur. C'est le site de publication. Et ce qu'il faut surtout pas te dire dans ce cas-là, quand tu reçois ton livre dans cet état-là, en plus, il y avait même une erreur à l'intérieur, hein, où il y avait trop de marge à droite, pas assez à gauche, bref, une erreur d'impression, un mix total. Ben, je les ai contactés, j'ai pris une règle, je l'ai mesuré ça, j'ai mesuré les différentes marges, j'ai mesuré la dimension d'en bas par rapport aux autres, j'ai pris des photos, je leur ai envoyé, et ils m'ont juste remboursé le livre pour que je puisse en avoir d'autres, en acheter d'autres, y compris les frais de port, parce que c'est pas normal et que ça peut arriver. Mais il ne faut pas se décourager si ça t'arrive, juste tu les contactes et les bonnes entreprises vont t'aider à ce niveau-là. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, petite anecdote, Blurb, qui est le site que j'utilise pour imprimer, encore une fois, le nom, j'aime pas du tout, mais ils sont très pros, ils m'ont renvoyé l'argent tout de suite pour cet accident, j'ai eu un autre problème avec eux, mais plus une question d'édition au départ, pareil, ils m'ont remboursé sans aucun problème. Donc très très bien, ils délivrent très rapidement. Et ce qui est bien, et c'est pour ça que je les ai choisis aussi, c'est que si vous en voulez un, hein, ils livrent aussi en France, en fait, ils impriment localement et ils le livrent ensuite. Petite histoire sur la photo, parce que là, moi, on m'a posé pas mal de fois la question, j'ai une couverture comme ça. Mais Thomas, c'est toi cette personne? Non, non, pas du tout, moi, j'ai pas de queue de cheval. Non, regarde là, le mec, il a une queue de cheval, ce n'est pas moi, pas encore en tout cas. Mais cette photo a bien été prise par un Australien à Burley Head, qui est dans le nord du New South Wales. Normalement, au montage, je veux une carte où ça s'affiche. C'est moi qui fais le montage, hein, donc je rigole parce que je sais que je me donne du travail en plus. Mais voilà, donc c'est dans le nord du New South Wales, c'est une plage où j'ai des potes qui ont déjà surfé. C'est très sympa. Et juste, elle répondait à tous mes critères, c'était vraiment le but. C'est un Australien qui a pris la photo sous une licence qu'on peut utiliser pour ce genre de choses. Donc merci à lui, merci à son ami qui a pris la photo et qui, j'espère, vous inspirera si vous voulez avoir ce livre sur votre bureau un jour. Erreur numéro 8 que j'ai faite sur mon livre, il s'agit des marges, ici et là, de la taille de la police. Et la première version du livre que j'ai reçu, les marges étaient énormes. Je te mets un exemple à l'écran, ça se voit beaucoup lorsque tu l'imprimes. Ici, tu vois, on dirait qu'il y a quasiment 1,5 cm à gauche et à droite. Alors que si tu prends les versions ultérieures, et là, tu as un peu moins de marge, mais ça se lit toujours autant. On va arriver ensuite aux deux erreurs les plus importantes de la fin du livre et le petit bonus pour toi si tu me suis depuis très longtemps. Mais avant ça, la petite histoire sur où est-ce qu'on peut l'avoir, si ça t'intéresse de l'avoir, c'est par le site dont je te parlais, l'éditeur, qui s'appelle Blurb. Alors, je sais qu'ils font un truc, le livre, je me fais 2$ dessus à chaque fois. Et ils vont le vendre à peut-être 18€. Moi, ça me tue, je trouve ça beaucoup trop cher. Ils pourraient être des frais de port de 12 balles quand je l'envoie. Enfin, je les ai payés aussi pour recevoir celui-là et les autres. Mais ça me paraît beaucoup. Donc là, je suis en train de regarder sur Amazon. J'ai fait une demande pour pouvoir publier des livres sur Amazon et publier mon propre livre. C'est un peu plus galère que ce qu'on pense. Il y a quand même pas mal d'administratifs à faire, il faut qu'ils reviennent vers moi. Bref, je dois faire ça, je vais essayer. Ce que je te propose, c'est que si tu veux le commander, si tu le commandes avec Blurb, c'est un peu cher, je suis d'accord. C'est un bel objet que tu peux avoir et s'il t'intéresse, bah tant mieux. Mais voilà, je mettrai le lien Blurb où tu sais que c'est de la qualité, c'est ce que tu vois à l'écran que tu pourras avoir. Et je te mets le lien Amazon si j'ai réussi à le faire. Et ça va prendre peut-être 1-2-3 semaines après la sortie de la vidéo. Je voulais pas me rusher à faire ça, je voulais sortir la vidéo parce que le livre va être dans certaines de mes autres vidéos qui vont arriver dans le background.
Donc je voulais pas ne pas t'annoncer en premier avant de sortir cette vidéo. Mais bref. Voilà, donc si tu as les moyens, que tu veux juste un beau truc, c'est sur Blurb. Sinon, j'essaierai de trouver le lien pour Amazon et de baisser au maximum le prix parce que je veux que ça soit abordable. Quoi. Si je pouvais le vendre à même à 7 ou 8 euros, je serais super heureux. Quoi. Le but, c'est pas de se faire de l'argent dessus, c'est vraiment que le plus de personnes possible puissent l'avoir et te partager cette expérience qui était incroyable et qui pourrait faire gagner énormément de temps à des personnes qui seraient dans la même situation parce que j'ai beaucoup appris depuis que je suis arrivé. Erreur numéro 9 qui m'a été dite lors d'un événement. Je remercie la personne qui me l'a dit qui va se reconnaître. Il s'agit de la toute fin du livre. Je vais te montrer la version numéro 1. Tu arrives sur le livre, tu as toutes les pages. Et à la toute fin, en fait, moi j'avais 34 pages, je crois. Et donc la 34 et la 35 sont blanches puisque je n'avais rien. Et il faut un nombre de pages multiple de 4, je crois, pour pouvoir relier le livre tout simplement. Et donc, il y a 3 pages blanches à la fin. Et ce que m'a dit un ami qui était lui dans l'édition et qui l'a déjà fait plein de fois pour d'autres entreprises, c'est de rajouter des notes en fin, et je vais te le montrer parce que ça change un peu. Tu rajoutes juste le mot note avec des lignes pour que la personne qui a fait le livre puisse juste prendre ses notes pendant qu'elle lit ton livre. Ça remplit 2 pages blanches, elles sont déjà blanches à la base, et c'est vachement focalisé sur le lecteur parce que ça lui offre une chose en plus au lieu d'avoir 2 pages blanches qui ne servent à rien. Voilà, donc si tu ne sais pas quoi faire tes pages derrière, tu rajoutes 2 à 4 pages de tirées comme ça pour que les personnes puissent prendre des notes et tout le monde est content. Avant-dernière anecdote pour le Club 50. Si vous me regardez depuis longtemps, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, ce que vous faites, parce que vous êtes sûrement déjà à entre 15 et 20 minutes de vidéo, voire un peu plus, selon le montage, si vous voulez ce livre, je vous le donne. Je vous le donne si vous me suivez depuis longtemps en format PDF. Moi, ça ne me coûte rien. Après, bien entendu, il sera disponible pour les personnes qui en ont besoin, qui viennent en Australie. Donc, le PDF ne sera pas disponible gratuitement pour tout le monde. Il va rester, je pense, une semaine, 15 jours peut-être en ligne. Je te mets le lien en description, tu auras le livre que tu peux télécharger sans mettre d'email, sans rien du tout. Tu peux télécharger le livre directement gratuitement parce que ça me fait plaisir. Quoi. Si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est que dans la première semaine et dans les 2 premières semaines, tu es un des plus fidèles, tu me soutiens depuis longtemps, regarder les vidéos, mettre des likes, commenter. C'est vraiment incroyable l'aventure YouTube, pouvoir écrire un livre et d'en parler à plein de gens qui aiment ce que je fais et qui comprennent la philosophie qu'il y a derrière, le but de s'améliorer, de toujours devenir meilleur et de vouloir avoir une meilleure carrière, etc. Une meilleure vie, tout simplement. Être la meilleure version de soi-même. Donc, je te remercie, je te le donne gratuitement, tu trouveras le lien en description. Il y aura Club 52 points. Je ne mettrai rien, j'expliquerai rien, juste Club 52 points. Tu cliques sur le lien et tu pourras télécharger le PDF gratuitement. Même si tu ne comptes pas lire tout de suite, mais tu dis « Ah, j'aimerais bien le lire pour les prochaines vacances, me l'imprimer moi parce que ça me coûtera beaucoup moins cher », ce qui est vrai. Ça sera pas aussi beau, mais tu pourras toujours le lire, je veux dire, en version imprimée si tu veux l'imprimer, mais sinon juste sur une tablette ou autre, télécharge-le, je laisserai qu'une semaine ou deux. N'hésite pas à le prendre, n'hésite pas à me le dire, à me mettre un commentaire me disant Club 50, je l'ai pris, merci ou quelque chose, comme ça je sais que ça t'a été utile. Ça me ferait plaisir et puis c'est cool. 10e erreur, la dernière et pas des moindres, avant de passer à une action que j'aimerais vraiment te proposer, qui serait super cool si on se voit ou pas d'ailleurs, mais qu'on peut faire tous les deux ensemble. Donc il y a un truc qu'on peut faire tous les deux à distance. Mais d'abord, la dixième erreur, il s'agit de la toute fin. Quand tu fais la conclusion, lors de ma première version, j'avais juste fait un « Ah, merci, à bientôt », et j'avais pas dit grand-chose. En fait, je trouvais que ça manquait quelque chose de fort pour finir le livre. Alors, déjà, il y a des annexes. Hein. En annexe, au-delà des stories, il y a le CV et l'aide de motivation que je te propose. Mais surtout, maintenant, j'ai mis des QR codes à la toute fin pour rediriger les personnes qui veulent voir. Et voilà, vers des CV gratuits, vers ma page YouTube, pour que les personnes qui veulent en savoir plus, elles aient un endroit où aller ou continuer à explorer avec moi, notamment si on leur offre ça par exemple et qu'elles ne connaissent pas. Comme ça, elles ont quelque part où aller. Ce que je te conseille de faire, c'est de toujours mettre un call to action à la fin de ton livre pour rediriger les personnes vers autre chose que tu pourrais produire, même si c'est qu'un blog, des articles que tu fais, c'est trop cool. Enfin, dernière chose qu'on peut faire ensemble, c'est si tu commandes ce livre et que tu l'as en physique, n'hésite pas à m'envoyer une photo de toi avec, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, sur Discord, juste que je le vois. J'ai passé énormément de temps à le faire, à ce qu'il soit la meilleure version qu'il puisse être, j'en suis extrêmement fier. Et si un jour tu l'as, si on se voit, n'hésite pas à me dire, je le dédicacerai avec grand plaisir. N'hésite pas à m'envoyer une photo de toi avec, ce serait super cool de voir des personnes qui apprennent quelque chose. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. J'aimerais beaucoup en entendre parler de ton côté. Je te mets à côté de ça une vidéo sur l'Australie qui devrait te plaire si tu veux venir ici un jour, qui est trop cool. Et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.